déjeuner en paix. Ben ouais, tu m'étonnes. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas. La dernière est à ton nom. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit, ouais, qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Ah ouais, mais ouais, déjeuner en paix. Tu m'étonnes, elle en a ras le cul. Elle veut être tranquille. Mais ouais, laisse-la déjeuner en paix. Truc de fou. Je me rappelle de quelques déjeuners. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Et elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine, plus rien ne la surprend. Est-ce que tout va si mal? Ou est-ce que rien ne va bien? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Ah ouais, oui, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Mais ouais, déjeuner, déjeuner, déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? J'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache? Faudrait s'y mettre. Ben ouais. Et elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. Non, non. C'est pourquoi elle voudrait, enfin, si je le permets, ouais, déjeuner en paix. Laisse-la déjeuner en paix, franchement. Mais ouais.